La cérémonie de présentation du candidat Ntakpe Ounanikez et l'équipe qui l'accompagne pour les législatives prochaines s'est déroulée à Agboville, précisément à Ofotel, le samedi 13 février 2021. Reportage Mamo de Monville. Le peuple armé est un peuple dynamique, un peuple solidaire. Nous qui sommes nés à Beauville, qui avons grandi à Beauville, avons vécu cette solidarité-là. Avons vécu la souffrance de nos parents. Au fauteuil pour la cérémonie du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter de façon solennelle sur autorisation de notre candidat, la liste et les personnes qui ont été désignées pour m'accompagner dans ma tâche, c'est-à-dire comment faire gagner le candidat Ouma la journée du 6 mars 2021. Notre ami, camarade Ouma Nikes a été retenu, comme l'a dit tout à l'heure le chargé de communication, par la suite. Le dimanche 31 janvier par la commission électorale indépendante comme candidat dans la circonscription de Agboville commune. Je voudrais, si vous me permettez, demander à tous les jeunes de la salle de lui faire un standing ovation. Il faut les saluer pour leur courage, leur abnégation à continuer la lutte pour restaurer le blason et la dignité du peuple. Après, ils sont candidats pour les élections législatives. Alors, c'est dans ce sens que nous avons convié ce jour dans cette salle pour nous présenter le candidat. Un discours plein d'essence, un discours dont la valeur, si on le dirait, les valeurs reposent sur la cohésion sociale, l'entente, la prospérité du peuple d'Arboville. Vous avez entendu tout à l'heure quand il disait, c'est pour donner une très belle image à la jeunesse d'Arboville. Aujourd'hui, Arboville est une ville où la jeunesse a perdu carrément l'espoir parce qu'il n'y a pas d'activité économique. Et là encore, qui est la base ou le relais sur lequel nos parents comptent pour pouvoir les honorer, qui est l'école, cette école encore est troublée. Cette école est troublée et cette école aujourd'hui est engrenée par la consommation de la drogue. Des choses que moi, je veux éviter à combattre franchement. Parce que si les gens ne se donnent pas le temps d'aller à l'école, comment on pourra avoir des meilleurs intellectuels tels que feu laisse mon cas dans son temps qu'on a eu, les différents intellectuels qui sont passés partout à Beauville pour être aujourd'hui des grands hommes. Donc je vais l'inviter sur la scène éducative pour redorer le blason de l'école au niveau de la Beauville. Je veux aussi l'inviter sur la scène politique à Beauville pour vraiment freiner le feu de la consommation à l'eau. Aujourd'hui, si on ne fait pas attention à Beauville, d'ici demain, à Beauville, c'est là qu'on a Bagdad. La seule distraction aujourd'hui des jeunes, c'est la consommation de la drogue. Et je pense que pour nous qui sommes jeunes et qui sommes là, on doit comprendre que quelque chose qui nuit, quelque chose qui détruit, on dit que l'abus d'une chose est dangereuse pour la santé. Et donc, nous devons faire l'effort, donner des conseils à nos enfants, inviter nos parents à aussi suivre de près les enfants de sorte que la consommation de la drogue se trouve là. Et donc, je n'ai pas de raison à vous oublier, cher maman. C'est vous qui vous battez pour vous envoyer à l'école. Aujourd'hui, souvent, quand nous travaillons, quand nos parents travaillent, à un certain âge, ils sont affaiblis. Ce sont les mamans qui sont au point d'eux. Sans les mamans, nos papas ne sont rien. Sans les mamans, nos parents n'ont pas de vie. C'est pourquoi j'ai orienté une partie. C'est là où on veut la députation. Trop de grands-parents, trop de papas, trop de grands-parents au pouvoir. Tu es jeune, je suis jeune. C'est comment je choisis. Parce que c'est l'espoir qui les donne vie à
sélection retenue par le conseil constitutionnel, c'est cette équipe de campagne qui va m'accompagner donc à conquérir le pouvoir au sous Clément. Je suis directeur de campagne de l'honorable, est très vaste et depuis longtemps sollicite un jeune, voilà, pour l'accompagner dans son développement. Raison pour laquelle ce jeune a décidé de témoigner de sa confiance à ma personne pour que je puisse l'aider, l'accompagner dans cette mission. Et cette mission est très noble et aussi très vaste parce que la commune de la ville, 18 villages qui entourent la ville. Alors, nous avons les DLC par village et aussi les DLC par quartier. Donc, nous sommes organisés avec les jeunes de tous les villages de la ville pour pouvoir amorcer le développement.